content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Yves Rocher. J'ai fait mes petites soldes à Yves Rocher. Honnêtement, j'étais raisonnable. Pour une fois, je n'ai eu pour que 23,15 €, si je ne me trompe pas. Attendez, 19 €. Normalement, j'en avais pour 28,19 €, mais j'avais le choix de planter les arbres, avoir un cadeau ou avoir moins 5 €, et j'ai pris les moins 5 €. Honnêtement, j'ai eu combien d'articles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 articles. En premier, j'ai eu le petit sac, comme ceci. Comme d'habitude, ils font toujours des sacs de ce style-là. Cette fois-ci, ils sont fleuris. Je trouve très bien. Quand vous avez la petite barquette par petit papier, vous recevez dans votre boîte à lettres ou par mail, vous pouvez aussi le recevoir. Ce petit sac m'a coûté 3,50 €. Moi, je valide. En plus, vous avez une petite sacoche isotherme en cadeau. J'ai vu ça, j'avais pas fait gaffe. Au début, je pensais que c'était une trousse de toilette, mais pas du tout. Voilà comment que c'est. Je trouve ça sympa pour faire des pique-niques, des petits trucs ou autre. Je trouve ça sympa. Après, je vais vous montrer mes petits achats. J'ai acheté les nouveaux produits de leur nouvelle gamme. Ils ont sorti des nouveaux parfums pur zag et pur menthe. J'ai pris pur menthe. Voilà le nouveau qui vient de sortir. Si vous êtes client, vous avez vu leurs nouveautés et c'était ça. Je vais commencer par menthe parce que ce petit produit c'est pour enlever les boutons noirs, ils disent. C'est un nettoyant à faire tous les matins, si je ne me trompe pas. Oui, tous les matins et tous les soirs. Déjà, je vais faire le matin pour voir, pour tester si c'est. Mais je pense que je ferai matin et soir, le soir après la douche. Ça peut être sympa. Ce petit produit, j'ai oublié de vous dire, vu que c'est les seuls, le magasin est à moins 50% entièrement. Je trouve ça sympa, tous leurs produits sont à moins 50% vu les seuls. Je trouve ça super, pas client. Bah, ça vaut un peu le coup, parce que des fois, des produits, non, quand vous n'êtes pas client, ils sont très chers, je trouve. Ce petit nettoyant est d'origine sans promo, il coûte 9,90 €. Et là, je l'ai payé 4,95 €. Voilà le petit produit à tester. Et je vous ferai peut-être une vidéo dans les mois à venir, le temps de tester, le temps de voir si c'est bien ou pas. Sinon, je vous mettrai sur Instagram. Pour ça, faut que je me suis sur Instagram. Je mets des petits posts pour dire si j'aime ou pas ce produit en story. Voilà, mais je pense que je vais faire une petite vidéo avec 10 produits pour voir dire combien de temps j'ai testé, le prix non promo, si ça vaut le coup ou pas l'acheter, si moi ça m'a fait l'effet ou pas du tout. Je ferai une petite vidéo bientôt avec 10 produits que j'ai pas fini de tester, je suis à moitié d'avoir testé ou certains finis. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo si ce produit est bien ou pas. Le prochain, vu qu'il faisait des promos le mois dernier, j'en avais acheté, c'est les shampoings à Modeuil. J'ai le douche, pardon. Pour le corps Modeuil, j'adore ce parfum, ça sent les vacances, tout ça. Et l'été, tout, j'avais pris la petite bouteille. J'avais pris deux bouteilles, si je ne me trompe pas. J'ai dit, pourquoi pas en reprendre une grosse pour être bien. Cette bouteille, nos promos coûtent 5,70 €, je l'ai eu à 2,95 €. Ça vaut le coup, c'est moins 50%, j'ai apprécié. Sinon, j'ai repris aussi, j'ai commencé à tester ce petit gommage au kiwi. Franchement, je l'adore. Le grain, l'odeur, tout ça, je trouve sympa. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un deuxième, vu qu'il n'y en avait plus en magasin, il n'y a plus la gamme de ce parfum en magasin, et j'ai regardé un peu sur le site non plus, c'est les derniers produits, sinon après on va plus les retrouver, parce que quand chez Yves Rocher ils ont fait un parfum comme chaque été, tout ça, comme Modeuil, c'est celui-là de l'année dernière, si je me trompe pas, ça c'est cette année, début de l'année, je crois, c'était vers mai, avril, si je me trompe pas,
Ils ont sorti ce petit parfum. J'ai pris le gel douche que j'ai pas encore testé. Mais le gommage, je le trouvais sympa et je me suis dit pourquoi pas en reprendre. Il n'a resté que 3 rayons. J'ai dit non, j'en prends un. J'aime bien changer souvent de gommage, j'aime pas prendre toujours la même chose. Et bah, il y en a plus, mais c'est pas grave. S'ils en sortent un jour, bah, je sais que je kiffe ce petit gommage. Ce petit gommage coûte 6,95€ hors promo. Je l'ai eu à 2,15€, pardon. Ça fait moins 4€. Je trouve ça sympa. Je crois que c'était à moins 70 si je me trompe pas. Il marque pas, il marque moins 4€. Moi je le trouve sympa. J'ai fait tomber tout à l'heure, j'ai fait tomber un petit produit de leur nouvelle gamme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Hop là, je savais que j'avais fait tomber quelque chose, mais j'avais pas vu. J'ai acheté le savon gel douche, pardon, solide. C'est Nutrition. C'est pour les cheveux très secs. Moi, j'ai les cheveux très secs vite. Et je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai jamais testé un shampoing solide. Je me suis dit pourquoi pas le faire. Celui-là, il mousse beaucoup, il marque ça nourrit les cheveux, ça les fait briller, dedans il y a des huiles, tout ça. Franchement, il sent pas mauvais, il n'a pas trop d'odeur. Ce petit shampoing, no promo, hein, je vous le dis, il coûte que la petite savonnette là, il coûte très cher, 11€. Là, il y avait moins 50%, ça fait de 5,50€. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris et je voulais le tester, même avec le petit coupon, non seul ou pas, il était moins 50, c'est pour ça que j'en ai pris un. Si j'aime bien, bah, j'arrêterai peut-être les shampoings liquides pour prendre les autres gammes. Il y en a d'autres formats, il y a d'autres, moi j'ai pris Nutrition, il y a Brillance, il y a Douceur si je ne me trompe pas, et je pense peut-être, je ne vais pas encore tester. Pareil, je vous dirai sur Instagram, je ferai un peu plus tard le temps de tester une petite vidéo pour vous dire. Après, j'ai eu un petit échantillon de crème hydratante. Comme d'habitude, vous avez toujours des petits échantillons. Je suis une fan de gommage, comme vous le savez. J'ai pris un petit gommage pour le visage que j'ai pas du tout testé de leur gamme. C'est poudre de thé boréal, si je ne me trompe pas. C'est un gommage purifiant. C'est pour bien nettoyer les pores, tout ça. Celui-là, c'est pas un nettoyant, c'est un gommage à 2 fois par semaine. Moi, les gommages, je les fais beaucoup le soir. J'apprécie. C'est 2 fois par semaine. Je voulais tester et je me suis dit, pourquoi pas. Quand vous faites un gommage, vous le savez très bien, il faut faire un masque qui est derrière et après hydrater avec une crème hydratante. J'ai pris un petit masque à l'argile, celui-ci, que j'ai pas testé. Pareil, c'est allergile, pareil, même parfum au thé boréal. J'espère que je le dis bien. Ce petit gommage, je vous ai pas mis le prix au fait. Le gommage coûte d'origine 11,90€. Le petit là. Une chance qu'il y avait les seuls. Les seuls, il y a eu. Attendez, est-ce que je me trompe pas? Oui, il était à 11€, oui. Je l'ai eu à moins 8,33€. Ça m'a fait le produit à 3,57€. Pas se mentir, honnêtement. J'aurais jamais mis 11€ là-dedans. Vu c'était les seuls, tout. Je crois que c'était à moins 70%. J'ai dit, on va les prendre. C'était dans le rayon, il y avait le gommage, tout ça. Il y avait un petit rayon à part où j'y vais à Yves Rocher dans ma ville, à côté de chez moi. J'ai dit, bon, on va tester. La dame, elle me dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Je veux des nouveautés, tout. J'ai même testé. J'étais morte de rire intérieurement parce que je disais, la dame, non, je l'ai déjà. Non, j'ai déjà testé. Les autres vendeurs, je dis, bon, bah, vous avez presque tout là. Parce que pour ça, je voulais une nouvelle gamme. C'est sorti déjà un petit moment. Le petit masque coûte très cher. Je viens de voir le prix, j'avais pas fait gaffe. Le masque coûte 15,90€. Waouh, honnêtement, j'aurais jamais mis à ce prix-là dans un masque vu le prix. Sinon, bah, j'ai eu moins 11,13€. J'ai eu moins tout ça. Au total, ça me faisait à 4,70€. Je crois que j'ai eu moins 70%. Ça vaut le coup. Ce petit masque, pareil, faut le laisser 5 minutes. Faut le faire 2 fois par semaine. Pareil, quand je ferai celui-ci, je ferai le masque derrière comme d'habitude. Je crois, je vous ai tout dit. Voilà mes petits achats de ce mois-là.
J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre aventure de géocaching ou autre. Tout ça, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu, les produits brochés, je vous ai montré mes nouveautés, mais bientôt je vous ferai une petite vidéo, mon avis, tout ça, c'est que mon avis, c'est que ma peau, c'est chaque peau est différent, chaque cheveu aussi, et chaque personne est différent, les goûts, les couleurs, voilà, chacun a son opinion, ça sera que mon opinion. Là, c'est des gammes que certains je connais, les deux, le gommage et le gel douche, j'apprécie beaucoup. Les autres, c'est de nouveaux produits que je vais tester. J'ai hâte de les tester. Et je vous ferai un retour sur YouTube. Et aussi sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. N'oublie pas de liker la vidéo, de mettre en commentaire si toi aussi t'as acheté des trucs ce mois-là pendant des soldes débrochés en magasin. Et cette fois-ci, je vous dis à la prochaine. Allez, bye, bisous, bisous.